Incroyable, je suis hyper en retard. Bonjour à tous et à toutes. Je suis tout seul ce soir, peut-être. Donc, parce que mes petits copains sont un peu occupés. Il y en a qui sont à un pot de départ de collègues et d'autres ont autre chose à faire de plus important. Donc, ce soir, je vais faire un truc assez simple, franchement. C'est vraiment un stream pour qu'on discute. Ou pour qu'on essaye d'avoir un peu les idées claires sur les DA, sur la création en termes général de perso ou quoi. Donc bref, ça va être très chill, ça va être moins technique. On va pas forcément avancer sur le point de vue de documents ou de code, ça certainement pas de code, vu que c'est pas ma partie. Et que il vaut mieux que je m'éloigne du code pour la santé du projet. Donc du coup, ouais, non, ça va vraiment être un stream des plus chill. Donc, pas de prise de tête. En vrai, vous pouvez me mettre en mode podcast, genre me mettre dans le fond. Après, bon, je vais quand même montrer quelques artistes avec les liens, si vous voulez, de leur taf. Parce que, du coup, bah, comme ça, si vous voulez regarder vite fait, pensez à ce que le fait qu'il y a quand même leur nom. Donc, du coup, ce sera facile à trouver. Donc vraiment, mettez-moi en fond si jamais vous avez autre chose à faire mais que vous voulez quand même écouter ce qui se passe. On va vraiment parler d'une manière générale. Hein. Donc c'est limite comme si vous alliez entendre un pote qui vous appelle à 10 h du matin, là, pour il vous réveille pour vous raconter sa journée d'hier. Donc bon, voilà. Peut-être moins pertinent. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis en just chatting et pas en création ou quoi, parce que bon, ça risque d'être très difficile à justifier en fait. Donc voilà. Très bien. Donc du coup, bon bah voyons voir. Donc ça soit image, ouais. Non c'est bon, j'étais bien. Non j'étais pas bien du tout. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes trucs? Voilà, mais qu'est-ce qui se passe là? À l'aide! Pourquoi il fait display capture? Ok, bon, très bien. Tout va bien. Les choses ne sont pas bien. Bon, alors, donc, du coup. Là, je nous ai mis le petit nain rôdeur qu'on avait fait il y a très longtemps. Type neige. Mais il y avait aussi quelque chose dont je voulais vous parler. En fait, quand moi, je crée un perso pour le jeu actuellement, je passe notamment sur qu'est-ce qu'on a besoin? Quelle classe n'a pas été représentée? Ou quel type de personnage n'a pas été fait? Du genre, est-ce qu'on a déjà tous les dégâts? Est-ce qu'on a des gens de type support et tout ça? Bref, pour offrir, on va dire, une pluralité sur le type de gameplay ou de stratégie ou de combinaison que le joueur pourrait avoir. Malgré le fait qu'on fait quand même un jeu qui se veut simple, facile d'accès et aussi surtout que bah, c'est aussi un petit projet sans prétention. On n'essaie pas de révolutionner quoi que ce soit, on n'essaie pas de faire quelque chose de, enfin, voilà, de monstrueux. C'est vraiment pas une recherche vraiment artistique sur le point de vue d'histoire ou quoi que ce soit, donc voilà. Salut là. Je croyais que tu étais à ta. Hein? Est-ce que tu es parti faire ta petite beuverie là, de ton collègue là qui s'est barré? Hein, en me lâchant, salement. Bref. Donc bref, donc du coup voilà. Donc même malgré ça. Ouais, je suis dans le transport aussi, bien sûr. Salaud. Donc du coup j'en étais où? Oui, donc en prenant en compte tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que voilà, on fait pas un jeu d'une complexité monstre, qu'on n'est pas en train de faire une révolution dans l'industrie du jeu indépendant ou quoi que ce soit, que c'était plus vraiment pour montrer, même avec un petit jeu à la con, sans prétention, à quel point c'est hard. Et à quel point en fait ça demande du temps et de l'énergie, que ça soit de toutes les parties. Et que bon, bah des fois faut aussi se remotiver. J'ai à peu près d'écouteurs, je t'ai juste passé faire un coucou. Très bien. Bah repasse quand tu veux, Hulor. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on continue, excusez-moi. Donc voilà, donc même en pensant à tout ça, sachant que j'essaie quand même de mettre une pluralité au niveau du gameplay. Sachant que j'essaye de remplir un peu les cases de ce qu'on a besoin ou de ce qu'on n'a pas besoin,
Moi, j'aime bien en fait leur donner une backstory. Alors, ce qu'il faut savoir, dans un jeu comme celui-là, dans le fait que bon, moi normalement, moi je suis le connard qui va te sortir la ligne du bouquin d'un, je sais pas, bon, on va dire d'une connerie, genre d'un livre dans Donjons et Dragons pour justifier le pouvoir d'un personnage, tu vois, sur le tabletop ou une connerie dans le genre. Je suis ce type de connard. Ok? Le truc, c'est que même si moi j'adore créer des histoires, j'adore créer des backstories, des personnages, et que je me questionne souvent comment on crée une backstory, comment on crée un passé, un personnage sans tomber forcément trop dans un cliché monstrueux, il y a quand même des codes, on va dire des conventions, si vous aimez ni l'un ni l'autre, vous pouvez faire le choix de vos propres poisons entre codes et conventions, mais en vrai, ce serait plus des conventions et aussi par rapport à l'expérience de certains auteurs qui ont créé leur propre personnage. On a tendance aussi à tourner en rond pour les lecteurs ou pour quelqu'un qui commence à s'essayer à l'écriture de personnages. Mais c'est normal. Parce qu'à un moment donné, on a un petit peu tout exploré dans les univers. Hein. Donc on a les univers en guerre. Quand je dis univers, c'est univers en guerre, univers fantastique avec de la magie, univers sans conflit, enfin bref, tout ça. Eh bien, à un moment donné, oui, il y aura des histoires qui vont se ressembler. Parce que c'est d'ailleurs aussi comme ça que les gens se retrouvent. C'est que, mine de rien, dans la vie, t'as de grandes chances de croiser un gars qui a vécu ce que t'as vécu. Hein. Enfin, un gars, je dis, personne, quoi. Donc, penser que ça ne t'est arrivé qu'à toi, en fait, c'est un peu une connerie. C'est un peu faux. À moins qu'il y ait un truc monstrueux, du genre, je sais pas, moi, t'as été président, oui, donc, bah oui, bah non, bah en fait, non, ça marche pas, parce qu'il y en a d'autres, des présidents dans la vie, tu vois. Il y en a eu avant toi, il y en aura après toi, tu vois, ce genre de conneries-là. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui a vécu ce que tu as vécu d'une certaine manière, à sa façon, avec les d'autres acteurs, mais dans la substance, c'est la même chose. Donc, on passe sur un exemple concret. Là, on a Squamatus le Vert. L'un des, d'ailleurs, le premier perso qu'on a vraiment utilisé pour le template d'équilibrage, pour histoire de faire pas mal de choses en fait, quand on a dû changer certaines compétences, quand on a dû refonte les points de vie, les points d'attaque et tout ça. J'espère que vous en souvenez. Donc, du coup, on lui a écrit une espèce de petit BG à la con, mais c'est vraiment un tout petit BG, hein. Mais c'est un BG qui peut faire sens aussi avec ce qu'on avait expliqué par rapport à son espèce qui est la race des Prank Dragons. Et qui explique du coup pourquoi en fait il est un peu dans l'illégalité. Donc c'est un rôdeur, malgré que sa backstory va faire peut-être penser plus à un roublard, à un bandit des grands chemins. Bah du coup je vais vous la lire tout de suite. Donc Squamatus est un représentant de la race des Pendragons. Faut bien le rappeler parce que, imaginons qu'il n'y avait pas l'image. Je l'ai mis après donc c'est peut-être pour ça. Comme ses semblables, il est sujet à ses émotions. Il a dû renoncer bien vite à une vie simple et rangée. Il a dû apprendre à se cacher dans la forêt pour éviter les milices, le recherchant après avoir détroussé les marchands passant par la forêt. Ses sens et son expérience font de lui un rôdeur compétent. Aujourd'hui, il se rend dans une guilde peu regardante sur son passé pour obtenir un pardon royal qui lui permettrait de repartir à zéro. Voilà, donc c'est simple. C'est littéralement une backstory du niveau de oui, va au cirque, on est d'accord, mais c'est le but. Parce que, en fait, on pourrait s'amuser à écrire une backstory pour tous les persos qui vont être dans le jeu, qui va faire 4 km de long, mais est-ce que ce sera vraiment intéressant? Dans le sens que, là, il faut aller des fois à l'essentiel, au simple, en fait, avec un perso, quand on le crée pour un jeu, ou en tout cas, tu vas avoir une multitude de héros, comme dans le nôtre. Là, par exemple, tout simplement, on a littéralement un gars qui a fait de la merde quand il était plus jeune, il est en train de payer les pots cassés de cette merde. Et du coup, bah, vu qu'il en a un peu ras-le-bol de devoir vivre dans la forêt et de vivre un peu en détroussant les gens, bah, du coup, il est reparti à l'aventure en risquant sa vie, parce que quand même, dans cette histoire-là de ce jeu, bah, il va se foutre quand même sur la gueule avec des trucs qu'il n'est pas censé croiser tous les 4 matins après avoir fait pipi dans les temps, quoi. Donc, non, clairement, il y a. C'est pour ça aussi, tu vois, qu'il veut sortir de là, parce que les villes. Quoi que vous disiez, c'est quand même un endroit de sécurité. Je veux dire, dans un monde de magie où, genre, tu vois, tu peux te faire bouffer les fesses par n'importe quelle créature sortie de la forêt juste parce qu'elle s'est mal levée le matin, ouais, la ville, même jamais tu habites dans les quartiers pauvres, t'es quand même bien protégé de ce genre de merde. Genre, c'est pas demain qu'il va t'arriver un truc, il faut que ça soit monstrueux déjà pour que la ville soit inquiétée. Parce qu'il y a la milice, il y a les remparts, il y a tout ça. Donc, c'est pour ça que, du coup, même un rôdeur des forêts. Comme Squamatus, bah clairement, bah la vie, ça lui dit bien en fait.
Vraiment. Parce que bon, bah, même jamais il est très compétent, bah, il sait que quand il va vieillir, à un moment donné, il fait comment? Tu vois? Donc tout ça est justifiable. Donc c'est pour ça, dessus, il faut qu'on se dise que oui, d'accord, ok, sa backstory est très convenue, sa backstory n'est pas exceptionnelle, c'est pas du Tolkien, c'est pas grandiose, mais c'est suffisant pour justifier sa motivation. Parce que nous, ce qui nous intéresserait, par exemple, si on l'avait écrit pour en faire un personnage un peu récurrent dans un RPG, on allait peut-être étoffer certains aspects, on allait quand même lui donner un peu plus de chair en fait à son histoire, des motivations bien arrêtées, en tout cas au moment où il les a prises, et aussi la force des choses qui a fait que pourquoi il se retrouve comme ça. Mais là, pour un jeu avec une multitude de héros et tout, c'est assez, clairement. Après, le concept est là. C'est un renégat qui essaie de se repentir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire en fait, vraiment sur ce perso. Pourquoi j'en parle? Déjà, il faut que je comble un peu le fait qu'il n'y a pas de code aujourd'hui. Et que là, on approche en fait du fait que bah on a assez de héros en vrai pour faire les premiers tests de combat et tout. Je sais, ça va faire peut-être 3 streams qu'on en parle. Mais quand même, c'est une réalité. Nous avons quand même plusieurs petits trucs qui risquent d'arriver bientôt. Et ce serait vraiment cool, en vrai, qu'on essaye de pousser un peu plus sur la DA. Parce que c'est vrai que la direction artistique, même si jamais on n'a pas vocation vraiment, on s'est jamais, on va dire, engagé à sortir le jeu. C'est-à-dire à le publier, à le faire achetable ou téléchargeable, bref, on veut. Nous, on s'est juste engagé à le finir, c'est-à-dire qu'il soit jouable. Après, qu'il soit fignolé, machin et tout, commercialisable, c'est une autre histoire, ça, on s'est pas engagé à ça. Mais bon, je sais, on le répète assez souvent, mais c'est important parce que comme ça, il n'y a pas d'embrouille pour de potentielles personnes qui, on ne sait pas comment ils ont fait, ont esquivé à chaque fois qu'on l'a dit, donc c'est pour ça que j'aime bien le rappeler. Mais quand même, parce que en vrai, l'identité graphique, que ce soit d'ailleurs même musicale, d'un jeu vidéo, ça va aider quand même parfois même à développer la chose, à peut-être à te donner d'autres idées, à te pousser dans une espèce de motivation qui va faire évoluer le jeu comme tu l'avais imaginé à la première seconde et comment il va être en fait à la fin. Donc, fatalement, c'est quelque chose de très important pour nous dans cette histoire. Donc, c'est vrai que on a utilisé pas mal des Reforges, comme on a pu le voir. Là, le site Reforges qui normalement est un truc pour les. Pour faire des petites figurines que tu veux jouer avec, généralement, bon, il y en a qui jouent plutôt à des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, L'Appel de Cthulhu, enfin bref, plein de trucs, sachant que oui, il n'y a pas que du médiéval fantastique, j'aime bien le rappeler quand même. En vrai, tu peux faire des choses là-dessus. Eh bien, parce que tout simplement, nous n'avons pas de graphiste. Parce que tout simplement, nous n'avons personne parmi nous qui savent dessiner correctement. D'accord? Et du coup, bah, on peut pas vraiment mettre une interprétation fidèle à ce qu'on ressent et à ce qu'on pense. Donc, autant utiliser un autre procédé qui est Aeroforge. D'ailleurs, j'ai connu des gens qui modaient comme des porcs des Sims juste pour traduire une idée de perso. Hein. Moi, je me souviens que j'avais un pote qui avait téléchargé les Sims juste pour ça. Bon, il a dit ça, mais en vrai, je pense qu'il avait un peu honte de dire qu'il jouait aux Sims alors que je vois pas le problème, mais bon. Enfin voilà, donc du coup on a utilisé Heroforge. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on veut ce graphisme-là. Par exemple, si on prenait Ulor comme ce qu'il avait dit d'ailleurs dans certains streams, c'est que bon déjà le photoréalisme, bah, disons qu'on est un peu vu et tout, c'est un peu rondondant. Il y a aussi le fait que bon bah à un moment donné, est-ce que c'est vraiment utile dans certains cas? Parce qu'on a vu, par exemple, il y a certains jeux. Qui ont réussi avec des graphismes plus, on va dire, moins détaillés, on va dire, moins, enfin, pas photoréaliste, quoi, s'en sortir très bien et avoir quelque chose quand même à transmettre en termes d'image qui était assez sympa, notamment Valheim, il y a un jeu de couleurs au niveau de la lumière et tout qui rend quand même parfois bah, le jeu sympa à regarder, en fait, très chatouillant. Mais c'est un jeu 2D. On n'est pas en train de faire un jeu 3D. D'accord? Donc, je rappelle juste ça parce que c'est comme ça qu'il va être codé en fait. Pensé et fait. Il est en 2D.
Parce qu'à la base, c'est juste un jeu de plateau avec des cartes, machin. Mais oui, je sais, vous allez me dire qu'il y a d'autres jeux, genre par exemple Armello qui serait un jeu de plateau mais qui est en full 3D. Mais quand même, faut quand même penser à ça. Donc, du coup, il faut penser plus en termes de dessin. Ok? Alors, il y a la technique qu'on a vue de Darkest Donjon, hein, qui est juste du 2D. Hein. Il n'y a aucun 3D là-dedans. Il hein. Y a juste vite fait un skeleton. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait comme ça. Hop. Parce que si on regarde bien, voilà, donc c'est vite fait, c'est quand même juste un wallpaper au final. Hein. Oh putain, ça me saoule ces cartes. C'est vraiment juste vraiment un wallpaper. Des wallpapers qui bougent. Après, il y a une espèce de. Comment on appelle ça? De squelette qui fait que ça bouge, mais en fait, ce sont. Quand on va voir sur les dans les fichiers du jeu, il y a vraiment. C'est vraiment en fait. Des amas d'images qui vont faire par exemple le biceps ou l'avant-bras, le torse, tu vois. En fait, c'est que des petites images à part qui sont mises en fait sur une espèce de squelette qui va bouger en fait pour donner une illusion comme quoi tu vois, il respire ou quoi. Ça, à la limite, on peut le faire. En plus de ça, c'est assez facile à recréer, on va dire. Parce que bon, en même temps, tous les fichiers de Darkest Donjon, on va dire, tu les trouves n'importe comment. D'ailleurs, même si jamais tu as la version comme moi officielle avec tous les DLC et tous les bordels. Tu vas juste en fichier Steam, tu le vois tout de suite, et en vrai, ça marche. D'ailleurs, ils ont été copiés un nombre incalculable de fois après, et parce que c'est sympa, le visuel est cool, ça reste du 2D, ça donne une illusion de vie quand même, que c'est pas statique, parce que c'est vrai que dans les visual novels, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, un visual novel, normalement, qui va vous emmerder, c'est généralement un visual novel qui n'a pas mis une espèce de fonction comme si. Pour recréer une sorte de respiration, comme si tu vois, genre les gens respiraient ou tu vois, qu'ils bougeaient au moins de gauche à droite, c'est pour mimer une espèce d'émotion corporelle, on va dire. Et bon, si jamais le scénario n'aide pas, là par contre, tu le vois, tu peux pas en échapper, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est aussi ça le problème. Donc si on pensait en termes de visuel, moi j'aimerais bien, tu vois, que ça soit un truc un peu comme ça, le Darkest Donjon, tu vois, toujours 2D, mais avec. Des petites lumières là, tu vois, qui vont être là par exemple à la fenêtre juste pour faire genre il y a un truc qui se passe alors qu'en fait c'est juste une lumière qui fait un petit peu un dégradé, tu vois, pour juste pour faire croire qu'en gros il y a le feu qui crépite à l'intérieur de la cheminée. Donc du coup il y a tout ça, tu vois. Il y a ce goût-là. Je sais qu'on parle beaucoup de Darkest Donjon sur cette chaîne, mais quand même, c'est important parce que au final c'est ce qui colle le plus. Après, il y a un truc qui est génial aussi avec Darkest Donjon, mais ça on va reparler petit à petit, mais bah, de toute façon, voilà, on va peut-être enfoncer des portes. Aujourd'hui, les concept artistes, beaucoup en fait sur Internet, quand vous irez par exemple sur Twitter, là par exemple j'ai pris des exemples de Twitter parce que ça a été plus facile à ouvrir parce que je viens juste de revenir à la maison, mais il y a quand même ce concept-là où les styles de dessin commence à se répéter sévère en fait. En vrai, il y a v'là les artistes qui ont la même patte, si tu veux, graphique. Des fois, c'est impossible de déterminer qui a fait quoi au final, des fois. Alors, souvent, c'est les OC, les original characters, genre ceux qu'ils ont créés à eux, ou parce qu'ils ont une redondance de fan art qu'ils font sur certains persos. Mais sinon, des fois, mais tu n'as aucune putain d'idée de qui a fait quoi. Bien souvent. Donc, soit c'est du full manga. Soit c'est du comics un peu. Bon, là encore, là, il y a des petites pattes, mais en vrai, ça a tendance à se normaliser parce que maintenant, t'as ce mélange de comics, manga qui se fait de plus en plus et qui fait que, bah. Voilà quoi, t'as l'impression que t'as trois tribus en fait sur Internet maintenant, concept artistes qui ressortent, je parle, qui ressortent. Je suis pas en train de dire que tout le monde fait ça, évidemment, parce qu'en vrai, quand tu grattes un peu et que tu continues à chercher un peu plus. T'as des trucs très intéressants qui commencent à ressortir et tout, il y en a plein, il y a plein de personnes qui font des choses monstrueusement cool. Mais voilà. Donc, du coup, si on suit cet exemple-là, Darkest Donjon a une patte graphique, bon, qui a été réimitée par la suite, on est d'accord, mais à sa sortie, était unique en son genre. D'accord? C'était un gothique très dark, machin et tout ça. Et franchement, merde, quoi, ça marchait bien. Ça marche et foutument bien. Putain, je reclique toujours sur ces conneries-là. C'est. Je veux dire. Il y a un truc. Il y a tout un effet de lumière. Le fait qu'on voit pas, jamais leurs yeux, par exemple, au personnage.
vraiment l'aspect un peu grimdark, un peu bah, très Warhammer en vrai, hein. Très Warhammer. Mais je crois qu'il s'en cache pas, hein. Il s'en cache quasiment pas d'ailleurs, parce que t'as le design des armes, le design des écussons comme ça, sales, qui ont vécu, tu vois, c'est pas du truc polissé comme dans certains trucs où genre les mecs ils sont allés à la guerre 4-5 fois, leur armure est toujours impeccable. Genre, il n'y a pas une coupure, il n'y a pas un truc qui commence à dire merde à l'autre, rien, tu vois. Il y a cet aspect-là que j'adore, moi. Moi, je suis plus team comme ça, vraiment, où genre tu vois que les objets ont servi. Parce que du coup, tu peux ressentir d'un coup, en voyant le personnage, que, ouais, le machin, il a morflé, quoi. Il en a pris plein la gueule, c'est ça que j'aime bien, genre, voir de la boue sur ses bottes, du sang sur... Enfin, les restes d'un sang qui a déjà bien marron... Sur la manche, parce que ça vient d'une ancienne blessure qu'il a eue il y a quelques mois, je sais pas quoi, mais qu'il reste cette espèce d'ersatz de blessure sur le tissu qui est resté, sauf que le gars n'a pas de thune pour se... ou la personne n'a pas de thune pour s'acheter un nouveau vêtement, il garde encore son vieux manteau, parce que ça reste un aventurier, tu vas pas t'acheter des chemises de soie tous les jours, sinon bah, tu manges que de chi en fait à la taverne quand t'arrives. Bref, j'aime ce côté usé, fatigué des vêtements et des personnes qui montrent comme quoi ils ont vécu. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, les JDR que j'ai le plus développé, en fait, c'est des JDR où les personnages ont morflé sa mère, clairement. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien. Alors que pourtant, le jeu qu'on est en train de faire, à la base, ça vient d'un des JDR que j'ai créé, c'était mon tout premier JDR, et qui se voulait un peu plus héroïque. Tu vois, parce que c'était mon tout premier JDR, je voulais juste explorer la créativité, enfin, comment on pouvait créer une mécanique de gameplay avec des dés et avec des feuilles de personnages. Donc, du coup, je me suis pas trop pété le cerveau pour ça. Mais par la suite, j'ai fait que des trucs un peu grimdark. Enfin voilà, genre. Le black métalleux chevronné que j'étais en adolescence serait pas peu fier, en vrai. Parce que ça pue vraiment la mort et le désespoir. Après, j'aime bien quand même mettre mes joueurs en lumière en faisant que ce soit des héros, parce que sinon je vois pas l'intérêt de jouer à ça. Enfin bon, ça c'est une autre discussion. Enfin bref, tout ça pour dire. J'aime bien quand c'est un peu plus réaliste. J'aime pas trop le côté, par exemple, Final Fantasy, où genre les trucs, ça part dans tous les sens, les épées font 500 km de long, le gars il est à moitié. Enfin, genre, je sais pas, genre t'as des villes qui sont limite au médiéval encore. Et le gars il se radine avec, je sais pas moi, avec ses New Rock, avec un slip en polyester, enfin bref. Et. Enfin, aussi l'utilité. Attends, les mecs se battent avec des épées de 4 km de long, comme on a dit. Et à côté, t'as un gars qui a un M16. Désolé, mais même si jamais je suis un ancien épéiste, tu me donnes une épée et un M16 à côté. Même si jamais le M16, je sais pas l'utiliser comme une épée, je prends quand même le M16. Faut pas être con. Enfin bref, tu vois, c'est ce genre de truc là. Et ça s'explique pas par rapport à la rareté. Par exemple, tu vois, dans un univers comme Darkest Dungeon, où là, tu vois, par exemple, le bandit. Qui a d'ailleurs un flingue, mais c'est un flingue à silex. Va essayer de toucher un truc, va essayer de le recharger après. Donc si tu veux, c'est pour ça qu'il y en a pas mal dans ce jeu où c'est compréhensible qu'ils se battent encore avec des armes de corps à corps, ou encore avec des arcs ou avec des arbalètes. Et pourtant l'arbalète c'est chiant à recharger. Même jamais, c'est vachement destructeur. En vrai. Enfin bref, tout ça pour dire, il y a une cohérence quand même à observer, d'accord. C'est pour ça dans ce jeu on va pas avoir des En gros, c'est pour ça aussi dans ce jeu, pardon, que les mages, dans le jeu qu'on est en train de faire, que les mages sont reconnus comme étant des monstres, genre, c'est-à-dire des limites, des héros par défaut, parce qu'il n'y a pas des mages à tous les coins de rue. Genre, c'est pas ton boulanger, il te fait apparaître, je sais pas moi, une miche de pain juste en soufflant dans ses mains. Non, être mage, ça veut dire qu'il faut étudier, machin et tout, bref, t'as perdu toutes tes années là-dessus. Donc bref, ça c'est la consistance des mondes que j'affectionne le plus, et que je veux vraiment garder à l'esprit. Donc c'est pour ça que fantastique, d'accord, mais faut pas déconner, quoi. Voilà, ce serait bien d'être immergé, enfin que ça soit immergeable. Commençons. Donc par exemple, on a Miouli qui est voilà, c'est, il y a beaucoup d'abonnés sur Twitter, hein. Je vous ai pris quand même des connus. Donc il y a ce style là par exemple que les gens parlent beaucoup. C'est un style qui est très, qu'on a parlé tout à l'heure, un gros mélange entre manga, mais même je vais essayer de plus inspiré manga là pour le coup, mais il y a quand même une patte de comics si on fait bien attention. Ça par exemple, je suis pas fan.
Tu vois, c'est pas un truc, tu vois, que je vais prendre pour mon jeu. Je dis pas fan dans le sens que je vais utiliser moi en mode c'est ça que je vais sélectionner en mode genre, oh yes! On prend ça comme patte DA. Ou en tout cas comme grosse inspiration DA. Parce que je voudrais que ça soit pas trop cartoonesque, mais quand même, je veux pas non plus que ça soit ultra réaliste parce que je comprends qu'on commence à en avoir ras-le-cul d'ultra réaliste. Et en plus de ça, ça met plus de temps aussi à se réaliser et à essayer de garder une constance en qualité de trait et tout. Parce que bon, après, il faut être plus précis, ça me demande plus de temps, et puis c'est souvent plus cher aussi, il faut le penser. Donc, voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce que fait Miouli, hein. Ça c'est pas un problème. Miouli Art, c'est très très bon. Cette personne-là est géniale, en vrai, dans la qualité de dessin. Mais, c'est pas parce que j'adore l'artiste en question ou son travail que je l'utiliserais par exemple pour. Ça correspondrait en gros à mon univers. Enfin voilà, donc si vous voulez voir, hein, c'est. D'ailleurs, cette personne fait souvent. Il balance des fois ses tips d'art. Il y a aussi tout un PDF de 2018 qu'il avait fait qui est en gratuit. Hein, donc, bon, écoutez, je suis sympa, je vais le mettre quand même. On va pas être les sacs. Tac. Allez voir, c'est stylé. Et pour ceux qui apprennent le dessin, vous allez aimer parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de partage. Et bien souvent, ce sont voilà, ce sont des tips, par exemple, là, de la musculature et tout ça. Enfin bref, ça c'est pour ceux qui veulent apprendre à dessiner ou qui veulent se parfaire. Prochain. Sonek. Alors, Sonek, c'est un cas extrêmement intéressant. Par exemple, tout à l'heure, moi, je vous ai dit que le style Final Fantasy me fait chier. Enfin, m'emmerde, disons que j'aime pas. Il en fait beaucoup. Mais, attention, c'est là où j'aime bien. On va dire c'est un effet très manga policé, tu vois, un peu avec beaucoup de traits, tu vois, tu sais, il y a vraiment une influence vraiment asiatique derrière, tu vois, le trait qu'ils avaient, en tout cas dans les mangas ou dans les manhwas ou tout ça. Et même si maintenant aujourd'hui les Coréens, ils ont une tendance à faire du super réaliste, vraiment très réaliste au niveau des traits et tout ça, donc du coup ils commencent à se faire connaître plus maintenant par cet intermédiaire-là. En tout cas, c'est comme ça j'en entends plus parler. Bref. Donc, oui, moi j'aime bien parce qu'il a essayé de garder en tête de pas aller dans tous les sens. C'est-à-dire de pas mettre vraiment l'épée, comme je disais, de 4 km de long. En fait, il y a une cohérence dans son art. Il y a une grosse cohérence. Par exemple, le fait, tu vois, qu'ils aient une épaulette. Alors ça, par contre, d'ailleurs, j'ai jamais compris cette histoire. Hein. Les épaulettes qu'ils mettent en un. Oui, d'accord, c'est stylé, la symétrie, tout ce que vous voulez. Moi, ça me. S'il n'y a pas de raison, ça m'emmerde plus qu'autre chose en fait. Bon, je suis trigger limite par ça. Je demande pas non plus une symétrie parfaite si tu veux. Mais je veux comprendre pourquoi il y a une épaulette. Tu vois, je veux essayer de comprendre. Et j'en ai rien à foutre du truc du oui, mais c'est dans leur culture. Non, il faut qu'on arrête aussi quand tu écris une histoire ou un peuple ou un univers. Tu ne peux pas juste te donner comme excuse à chaque fois de. Non, mais la culture, non, la culture vient forcément d'un truc. Donc, c'est-à-dire que soit c'est pour mimique un god, enfin, tu sais, un dieu ou quoi que ce soit, soit c'est pour. Parce que, en fait, bah, ils se sont rendu compte qu'au fil du temps, bah non, c'était beaucoup plus pratique de faire comme ça. Alors, une seule épaulette, à part te déséquilibrer. Alors, généralement, c'est vraiment ceux qui ont un problème d'équilibre, hein, qui mettent généralement une épaulette. Hein. Qu'une seule épaulette. C'est pour aussi s'aider à s'équilibrer, hein, généralement. Donc, soit ils ont tous un problème de déséquilibre. Tu vois, mais bon, ça c'est si jamais je voulais vraiment être chiant, tu vois. Sinon, oui, non, la personne je la suis, Sonek, cette personne est monstrueuse. J'adore son dessin, son trait, même si jamais c'est par exemple pas ce que je ferais tous les jours. Donc je vous mets encore le link parce que je suis pas un crevard. Mais tu vois, on va mettre un truc en plein pied. Bon, il fait aussi des trucs un peu plus médiéval, enfin Final Fantasy quoi. Là, c'est clairement du fait. Enfin voilà, bref. Non, oh putain, il a retweeté, tu vois, donc c'est. Je dis de la merde. Je dis de la grosse merde. Oui, il fait aussi des mechas. Moi, j'aime bien les mechas. Ça me fait marrer, les mechas. Ouais, voilà. Donc, cette personne fait aussi ça. Ça. Là, ce style de vêtement ou quoi, là. Ça, je serais, mais complètement. Complètement in. Vraiment, j'adore ça. Tu vois, par exemple, dans le jeu qu'on ferait, ça c'est un truc que je dirais oui, instant quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis en vrai, on parlait du fait que c'est. Attends, je vais essayer d'ouvrir un peu.
peu plus en grand. Voilà. Par exemple, là, on peut voir le visage. Par exemple, de loin, on aurait pu penser que c'était du full manga, machin et tout ça, alors qu'en fait, pas vraiment, hein, pas du tout même. C'est très détaillé et tout ça. Le trait est vraiment cool. Moi, j'adore. Et tu vois, genre, il y a plein de petits détails et tout ça qui sont super stylés. Bon, après, on va pas non plus faire un stream critique d'art, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste, on analyse un peu les DA possibles en 2D, hein, tout simplement. Par exemple, ça, comme illustration de carte, ça pourrait être très très drôle. Enfin, très très drôle dans le sens, ça serait génial. Mais bref, oui, je vous ai mis son lien Twitch, pas Twitch, Twitter. Il y a aussi de la grosse fantastique, hein, un peu plus, voilà, bon, ça c'est clairement du Final Fantasy. Mais voilà, cette personne fait les deux, et moi j'aime beaucoup. Tu vois, à peu de détails près, j'aurais bien voulu, tu vois. Mais il y a des, c'est juste par rapport à la cohérence du bordel. Moi, je voudrais vraiment un truc qui se rapproche plus du pratique, du vraiment, du... Je veux qu'on sente que les héros ont vécu. Par exemple, tu vois, moi je vais éviter ce côté très policé, très clean... Sur les armures où on a l'impression qu'en fait ces machins ils ont bah, ils viennent juste de sortir de la forge, hein, ils ont juste été un petit peu nettoyés et c'est hop 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 ma poule. Ça déjà c'est oui. Moi c'est un oui. Tu vois. Le fait que voilà, ils aient pas mis tout en armure même de en bas parce qu'ils voudraient que ça soit un fantassin qui puisse se déplacer vraiment plus rapidement sur Terre. Parce que après bon. Par exemple ça là, les trucs des hanches. C'est pas mal. Moi, je les aurais un petit peu. Peut-être pas baissé, mais j'aurais mis un petit peu plus de protection là. Enfin, en tout cas, la côte de maille, je l'aurais clairement un peu plus baissé. Pour souci de réalisme, mais ça, c'est moi qui pinaille encore. Moi, ce genre d'armure là, c'est un oui. Tu vois, ça protège et tout ça. La meuf en dessous, clairement, elle est protégée, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, que j'aime bien. Qui vraiment, tu vois, l'épée, elle a une longueur qui est tout à fait normale. Tu vois ce que je veux dire? Elle a des gantelets articulés, machin et tout ça. C'est voilà, c'est puis c'est voilà, c'est pas full. Alors ça c'est un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans les armures, on va ouvrir en grand parce que sinon après on va me dire de quoi tu parles. Là dans les armures, généralement, tu fais pas le tour tout en fer là. Tu fais pas le tour en fer là tout en métal ou quoi, tu as des articulés par exemple de l'avant-bras ou tu vois en dessous. Non, parce qu'en fait, en vrai, ça va juste te gêner plus qu'autre chose. Là, on voit que le mec a bossé ses ressources, qu'il a bossé ses références et tout ça. Donc, ouais, voilà, moi, c'est un truc qui clairement me fait plus bander, quoi, clairement. Donc, voilà. Non, mais en vrai, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, pour l'instant, on a vu un peu les extraits. Alors, ça, c'est un pote. C'est le Jawa, donc j'ai voilà, donc d'ailleurs qui a bossé à un moment donné pour les éditions sans détour, qui d'ailleurs stream aussi. Je vous invite à aller voir. Il fait pas mal de dessins, beaucoup de dessins. Voilà. Donc que dire sur Jawa? En vrai, moi j'aime beaucoup le style de Jawa parce que en fait, comme on peut voir. Il y a quand même, voilà, c'est plutôt réaliste et tout ça. Et je pense qu'il pourrait vachement s'amuser. Parce que moi, je vois quand même qu'il fait des fois de l'usure et tout sur ses armures et tout ça. Et rien que pour ça, en fait, il y a déjà un aval de fou furieux pour moi, pour ce genre de taf. Parce qu'il y a quand même, tu vois, le côté usure, il y a un goût, en fait. Il y a un goût dans ce qu'il fait, dans les armures que les mecs font, se portent et tout ça. Et puis, on voit quand même que, voilà, il a une idée en tête. Ça essaye, tu vois, d'aller chercher tout ça. En plus de ça, le mec taf. Il taf tous les jours, il taf. Et c'est franchement cool. D'ailleurs, je suis un peu débile. Mais je me souviens qu'il y avait quelqu'un que je n'ai pas. Je ne retrouve pas son Insta. Punaise. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà. Attendez, excusez-moi deux secondes. J'arrive. J'ai un appel très urgent, pardon. J'arrive tout de suite.
Pardonnez-moi. Gros truc. Donc voilà. Alors. Donc du coup, ouais, on était sur Jawa. Enfin voilà, ça vit un peu quand même, ces dessins et tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Oui, il a fait quelques petites illustrations. D'ailleurs, il est en train de travailler pour un petit truc sur Noob. Tiens, voilà, exemple. Voilà, il y a un peu de vie là-dedans, tu vois. Genre, tu vois, la tenue de la faune, tu vois, il y a aussi cette idée de. Moi, j'aime. Alors, moi, je suis un peu team. Faut qu'on garde les personnages avec des vêtements pratiques, réalistes en termes utilisables. Ok? Donc, effectivement, si on devait leur représenter, en fait, avec tout leur bordel sur eux, genre avec leurs gros sacs, avec les vrais vêtements, quand tu vas quand même dehors, parce que bon, faut savoir aussi qu'ils n'ont pas non plus un chauffage comme nous on a au 21e siècle. C'est plus un chauffage en mode genre, bah, qu'est-ce qu'on peut cramer? Est-ce que la chaise ça le fait? Tu vois, c'est. Non, je déconne, hein, évidemment, mais quand même. Il y a quand même cette idée-là où il faut quand même que ça vienne un peu. Donc, du coup, bah, moi, je suis pas non plus pour le fait, tu vois, de tout le temps les dénuder pour rien. Le fait que, bah, faut absolument montrer de quel sexe ils sont, par exemple, ou quoi. Non, non, moi, pour moi, dans ma tête, leur sexe, c'est aventurier. Ils ont besoin de quoi pour survivre? De vêtements qui s'adaptent à leur façon de se défendre. Très bien. Ou à leurs impératifs. Par exemple, un mage ne va pas porter une armure lourde parce que le fait de porter trop de métal sur lui va créer des interférences avec sa magie. Donc du coup, il va pas pouvoir caster correctement. Donc du coup, c'est de la merde. Donc du coup, il va pas le faire. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Parce qu'il faut aussi inventer une bonne. Il faut aussi inventer quand même, quand tu crées un univers, une raison pourquoi un magicien peut pas se démerder pour porter une armure. Pourquoi ce serait pas un tank aussi? Tu vois? Parce que, en vrai, pense-y, t'as le pouvoir de la magie. Mais voilà, il y a les flèches qui existent. Tu peux toujours te faire attaquer par derrière. Pourquoi tu ne porterais pas, par exemple, une armure? Et si tu me chies, oui, mais si tu veux, il a peut-être une magie. Non, il faut aussi penser que la magie, il faut aussi que tu la régules. Il faut que tu lui donnes des codes à ta magie. Sinon, en fait, tu peux partir n'importe où et ça n'aura plus du tout aucun sens au bout d'un certain moment donné. Donc, faut faire gaffe à ça. Donc, voilà, il y a tout, rien que pour tout ça, le fait c'est que ce soit matelassé et tout sur les. Moi, j'aime bien. Ce niveau de détail-là, sympa, moi, j'aime beaucoup. Ça vit, quoi. Il y a vraiment une. T'as l'impression, voilà, que la nana, elle a pris ça, soit bon, parce qu'elle a acheté et qu'elle n'avait pas trouvé mieux, mais que au pire, elle a pensé à la chose, elle a dit, bon, bah, moi, putain, à chaque fois que je passe au niveau des branches, là, au niveau de mon épaule, ça arrête pas de s'accrocher et de se casser la gueule. Bon, bah, attends, je vais essayer de voir si je peux pas le matelasser ou quoi, ou d'acheter un truc qui est matelassé directement. Donc, rien que pour ça, sa vie, c'est cool. Alors, cette personne. Oui, qui avait fait un très beau fanart de Ciri. Bon, je vous le mets, hein, mais je crois que j'ai pas non plus trop envie de chercher pendant 400 ans. Ce serait dommage. Bref. Oui, donc du coup, cette personne a clairement un style manga en fait, clairement. Bah tu vois, moi je suis pas style manga pour les univers de médiéval fantastique, parce qu'une fois que tu vas dans le style médiéval fantastique manga, tu tombes très vite dans ce que j'appelle moi la folie isekai. Et la folie isekai, c'est. On est des mangaka, mais on ne sait pas à quoi sert une armure. Donc il faut que ça ait au moins l'air stylé. Ouais, sauf que quand tu t'y connais un peu, en fait, ça n'a pas l'air stylé du tout, ça t'a l'air juste abusé pour rien. Et il y a aussi un problème, c'est que. Quand tu me vomis des couleurs partout, genre des armures en violet, en machin, en rouge, en un, au bout d'un moment donné, bah, tu sais, ça fait un petit peu comme la motion sickness. Bah, il y a trop de couleurs d'un coup à l'écran, donc du coup, ça fait un peu. Bah, t'as l'impression plus de regarder un Power Rangers que des gars en armure qui sautent sur la gueule en vrai. Ou des magiciens qui sautent des sorts sur la figure. Bon, encore les magiciens, ils portent des tuniques, et encore les tuniques, il faut voir à quel. Bref, c'est un autre délire ça. Mais voilà, moi je suis plus vraiment team. Il faut qu'on ressente quand même que les mecs ont vécu ou quoi. Et moi le problème avec le manga, bah, c'est que je trouve qu'il y en a un peu trop représenté dans les jeux, surtout Medieval Fantastique, ça commence à devenir une majorité. Mais parce qu'en même temps, ceux qui sont en pleine production de tout ça, et tout ça, tous les jours on sort un.
Bah, j'aimerais bien, tu vois, qu'on revienne un peu en mode old school, tu vois, quand j'ai découvert les pochettes de. Comment dire, tiens, on va voir. De Donjons et Dragons. Quand je regardais les trucs de Donjons et Dragons ou. De Magic the Gathering, tu vois, le carte à jouer, tu vois, genre. Pas ce truc old school là, parce que clairement, moi, je n'y arriverai plus. Ouais, c'est bon. Ouvrir l'image dans un nouvel angle, hein, parce que. Ok, d'accord. Donc pas plus petit, vous avez? Vous me le dites, hein? Voilà, bon. À la limite, ça. Hop. Allez, please. Please, please, please. Ok. Donc ça. Voilà, donc. Tu vois, c'est un style vraiment très old school, très inspiré d'ailleurs, moi je trouve aussi des comics. Hein, des BD aussi belges, franco-belges, tout ça. Ça se voit au terme du design, quoi. Et si tu veux, alors pas, parce que si tu veux, genre je peux reprocher la même chose à ce style-là que je reproche par exemple au manga ou quoi, c'est-à-dire que bah, c'est plus de l'approximation en fait que de la réelle, tu vois. Y a tout ça en fait qui me pose problème. Il y a aussi des. Oui, il y a aussi Magic the Gathering, mais en même temps, à la base, Magic the Gathering, c'est juste le jeu de cartes de Donjons et Dragons. Hein. Donc. Y a des punaises des illustrations de malades sur Magic. Ça, c'est l'un des derniers, c'est ça? 1,50€. Je veux pas l'acheter, monsieur. Calmez-vous. Voilà. Sivin, le chrono. Je connais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Magic. Je crois que depuis que je suis. Bah, depuis que je suis rentré au lycée, j'ai pas pu. J'ai pu rejouer. Donc. Toujours avec, tu vois, il y a toujours une esthétique et tout. Après, bon, il y a aussi moi ce que j'appelle la fiole porn. C'est quand ils commencent à mettre des fioles partout sur leur, tu sais, autour de leur baudrier ou de leur ceinture pour dire j'ai des potions. Alors, tes potions, en vrai, mec, tu les protèges. Tu les mets pas comme ça à l'abri, genre au moindre moment où tu tombes par terre dans la forêt, tu risques de te casser tes fioles. Sachant que, bon, généralement. T'imagines un peu que le coût de la vie, tu t'achètes pas des fiottes tous les jours. Donc c'est pour ça que. Mais là, tu vois, je pinaille, mais parce qu'en même temps, il faut représenter que le mec a ce genre d'équipement. Il faut représenter que le gars, il a un petit touche-à-tout, au moins dans l'alchimie, ou qui possède ce genre d'artefact qui pourrait l'aider. C'est peut-être pour ça aussi qu'il motive un peu sa confiance, tu vois, ça raconte quand même. Parce que c'est ça aussi. Parce que depuis tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, enfin, tout ce que j'ai dit, il y a juste une chose qui pourrait tout désamorcer. C'est. Bah oui, mais connard, l'illustration, on doit transmettre une idée, une information sur ce mec. Il faut représenter quelque chose. On n'est pas là pour faire du réalisme 100%. Ce à quoi je répondrais, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai. Mais, est-ce qu'on peut pas avoir un compromis en fait avec les deux? Est-ce qu'on peut pas essayer de. En fait, en essayant de faire plus ce compromis-là, est-ce qu'on n'arriverait pas par quelque chose un peu plus, on va dire, original, dans un certain sens, en n'étant pas original, tu vois? Et tout ce genre de ce chose-là, tu vois. Là, par exemple, tu vois, il y a un côté qui est très simple sur le magicien, là, le bleu, là, je sais même plus c'est qui, là, donc je crois qu'il y a un truc spécial. Tu vois, il y a un côté très simple, et en même temps, tu vois, genre là, c'est un peu plus écaillé. On pourrait quand même, tu vois, commencer à se dire, ah, ok, dans leur monde, les carapaces, par exemple, sont beaucoup plus. Résistants que le métal, ou en tout cas ils sont plus en abondance et ça revient à moins cher, à moindre coût de faire ça. Et dans ce cas-là, je dis oui. Dans ce genre d'illustration, de papote et tout ça. Donc oui, effectivement. Avec Heroforge, on est limité, si tu veux, pour ce qu'on représente. On a plus. Je t'avouerai, hein, vu qu'on n'a aucune formation de graphiste, que ce soit moi, Hulor ou Gadgat, on ne sait pas réellement encore comment représenter une idée, tu vois, sur un papier. On ne sait pas, par exemple, les gammes de couleurs. On n'a aucune maîtrise sur la gamme de couleurs, sur la règle des couleurs, des machins, du chromatique et tout ça. On est complètement aux fraises. Donc du coup, on essaie de représenter comme on peut. Là, fatalement. Comment dire? Là, par exemple, tu vois, j'ai pris l'exemple du petit Andvari, le nain rôdeur, d'accord? Qu'on a imaginé venant des terres un peu plus gelées. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez blanc dans son design, parce qu'il y a quand même la neige et tout ça. Mais il faut pas oublier que, alors si jamais il y a tout le temps de la neige, mais genre H24, c'est un no man's land, hein.
Clairement. Sinon, c'est que le mec, il vit vraiment dans les montagnes, tu vois, et c'est autre chose. Mais là, on part du principe que le gars, bon, de temps en temps, il va sur Terre. Quand même, hein, il va. Enfin, il va un peu plus bas, quoi. Il n'est pas dans une montagne à chaque fois. Sachant qu'à la base, on voulait que ça soit un peu des toundras, des machins et tout ça. Donc, oui. D'où le fait qu'il a un peu de marron sur lui, tu vois. Et parce que, en même temps, c'est pour se. C'est un peu pour se camoufler tout ça. On lui a mis une petite arbalète là, par exemple, toute mignonne, toute gentille, mais parce que en même temps, il faut quand même qu'il arrange quelque part et que c'est plus facile d'avoir une petite arbalète, sachant que il a quand même déjà un bouclier derrière le dos et une hachette qui pend aussi sur son côté. Hein? Voilà. Il y a cette idée-là et tout, et puis franchement, une petite arbalète c'est peut-être plus pratique et puis c'est marrant aussi parce que du coup, c'est plus, tu vois, il peut utiliser sa petite arbalète et sa hache en même temps s'il y a besoin. Mais par contre, il tire qu'un seul carreau, parce qu'après, pour la recharger, merci quoi. Ah, d'ailleurs, putain, il y a une erreur là sur les collards. Hop. Il y a la flèche là, voilà, bam. Vous comprenez pas qu'il y avait, hein, voilà. Donc, oui, donc il y a aussi un autre truc, tiens. Par exemple, dans cet univers-là, tous les nains ont une chope. Mais ils ont une chope, en fait, ça va dépendre du clan. Donc quand tu vas voir un nain, ce qu'il a sur son côté, ce qui va lui servir soit de chopine ou de corne à boire, tu sais directement d'où il vient. Tu sais directement de quelle pierre monde, de pierre mère, pardon, il vient. Si jamais il est un gars qui va... Tu pourras même le situer géographiquement pour les plus érudits dans ce monde. Donc c'est pour ça. Donc du coup, il y a ce détail-là que j'ai mis aussi. Le coup des grosses barbes, hein, effectivement. Mais, parce qu'en fait, il y a une explication à ça. Il y a une grosse explication pour les grosses barbes des nains. Parce que quand vous vivez dans un endroit où c'est vraiment gelé, où il fait très froid, où la température même peut vous provoquer des gengelures, il ne faut jamais se raser. Et ça vaut pour toutes les parties du corps, hein. Parce qu'en fait, en vous rasant, vous allez assécher votre peau et vous n'avez plus le gras naturel que vous avez, tu vois, en temps normal, sans te raser, quoi. Et même sans même te laver le visage avec du savon. Ce gras-là va te protéger justement des engelures, en fait. C'est même vital de l'avoir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas se raser dans ce genre de cas. Donc, c'est plutôt marrant. Mais au moins, ça donne une raison pourquoi il a une barbe de 50 km de long, le machin, tu vois. Et c'est pas juste, les nains, ça a une grande barbe. Tu vois. On lui a donné une bonne raison en plus derrière. Alors, j'ai mis du poil blanc, parce que, tout simplement, quand tu penses un peu, Bah, plus c'est arctique, plus c'est froid. Généralement, les animaux ont tendance en fait à varier de couleur, mais qui vont tirer vachement sur le blanc. Hein. Bon, en tout cas, c'est dans l'imaginaire collectif, tu t'imagines ça en fait. Et il faut quand même qu'on transmette l'idée que c'est un peu plus hivernal d'où il vient le gars. Donc voilà, donc on a essayé. Hein. Il y a eu une tentative avec ce machin. Bah, honnêtement, je dis pourquoi pas. C'est comme ça. Après oui, on a eu d'autres tentatives. Là par exemple, je me souviens, ça s'est allé. Alors, maintenant Hérophore, j'ai mis plus de trucs, mais par exemple pour Ekmet, on a voulu lui mettre un délire un peu plus turc, un peu plus, tu vois. Maintenant, il y a d'autres props, hein. Je pourrais carrément le refaire avec des trucs qui iraient beaucoup plus avec le délire qu'on veut lui donner de un peu plus oriental, un peu plus de machin, tu vois. C'est vrai que je pourrais et je devrais. Mais en tout cas, c'est dans l'idée, tu vois. Genre, il y a cette idée-là des pistes et tout ça. D'ailleurs, je sais pas si je peux le dire. Alors, je sais pas si vraiment c'est une technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, historiquement parlant, hein, dans notre vrai monde véritable, les Romains, par exemple, avaient fait toute une charte de couleurs. Genre, si jamais t'as les yeux comme ça ou les cheveux comme ça, il faut que tu portes telle couleur, machin et tout ça, pour que ça soit esthétique, tu vois. Donc, j'ai essayé d'appliquer ça, notamment avec les blonds et blondes. En gros, ils vont souvent porter du rouge, tu vois, des trucs comme ça, ou du bleu. Quand ils sont rouges, bah voilà, t'as toujours du vert, mais parce qu'en même temps, c'est que ça sort depuis les Romains, hein, cette histoire. Hein, que les rouquins et les rousses, on les voit avec du vert. Hein. Vraiment, hein, je déconne pas. Hein. Après, ça peut remonter d'encore plus loin, mais il me semble que la dernière fois que j'avais checké, c'était ça. Hein. Enfin bref. Donc oui, donc, pour reparler du truc. Du coup, la charte graphique. Moi, par exemple, moi, je suis fasciné par l'esprit un peu comics qu'il y a sur ce jeu en ce moment. Enfin, en ce moment. Sur Street of Rage 4. En vrai, c'est pour ça, quand je parlais avec Ulor
Et avec GatGat, par exemple, moi je leur disais, en vrai, un mélange de Street of Rage 4 et de Darkest Dungeon, ce serait un peu le feu. Pourquoi? En vrai, pourquoi j'utilise ça? Parce que là, du coup, ils vont me casser les boules. Hop, voilà. Donc je peux pas. Très bien. Merci Seigneur. On me dira l'autre. On va utiliser les wallpaps. Y a un côté dans Street of Rage, moi, que j'aime beaucoup. C'est... Bon, on va utiliser... Ne vous inquiétez pas. Hein. Tu vois, y a cette espèce de côté très comics. LOL MDR, c'est ce que tu reproches depuis tout à l'heure, les trucs un peu comics manga qui se mélangent. Oui, mais... Là, ce que vous voyez, en fait, c'est les limites, les graphismes du jeu. En fait, ils ont opté vraiment pour un espèce de... du dessin vivant, quoi, comme dans Darkest Dungeon. C'est-à-dire que, tu vois, ils bougent comme ça, les animations sont faites comme à la main et tout ça, dessinées un peu à la comics. Et ça, franchement, j'aime bien. J'aime bien cette vibe-là où, tu vois, tu sais que t'es... Parce que même avec ça, en fait, ça arrive à être sympa et stylé, en fait, à regarder. Ça reste intéressant à voir. Vraiment ce mélange-là. Donc, en vrai, parce que, tiens, par exemple, bon, quand on dit SD, on a toujours tendance à dire Super Deformed, LOL, MDR, Manga, Chibi, LOL, machin. Mais en fait, Super Deformed, ça veut toujours juste dire SD, quoi. C'est juste SD. Donc, et quand tu. What? Attends, je crois que j'ai failli cliquer sur un truc que j'aurais pas dû. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, non. Ah, mais en même temps, je mets Dark. Putain. Je me déteste. Bimaboum. Donc, regardons. En fait, on repart sur Darkest Dungeon vite fait, parce que je pense que c'est ce qu'on a, on aura. On se rapprochera plus en fait de ce que j'adore en fait dans le truc. Bon là t'as les histoires machin. Oh ouais, bah tiens, on va prendre le Manatarm. Alors, on va pas faire aussi. Pas aussi sombre. Parce que tu vois, le truc avec Street of Rage, c'est plutôt coloré, c'est plutôt. Tu vois, c'est un peu plus lumineux. Pourtant, bon, tu vois, il fait nuit derrière. Mais en vrai, c'est un peu plus lumineux, tu vois. Et ça fait vraiment plus street machin. Dans le sens où c'est plutôt gris, des fois, c'est un peu terne. Pas trop non plus, mais c'est quand même assez terne dans les couleurs des niveaux et tout ça, tu vois. Mais ça reste quand même très coloré. Moi, je me dis qu'un mélange des deux, ça pourrait le faire. Pour deux choses l'une. Le fait que là, c'est un artwork. Bon, vous allez me dire, d'accord, tu vois, c'est très dark, c'est très machin. Mais en même temps, si tu regardes bien les proportions, tu les transposes dans notre univers. Soit les mecs sont. Bon, là, ça, c'est encore des artworks. Mais en... Ah bah tiens, ça se rapproche plus des proportions in-game. Le truc, c'est que soit les gens sont tous atteints de nanisme dans Darkest Dungeon, ou ce sont des... c'est des beef boys, hein, c'est genre des géants, les machins. Bah tu vois, genre, y a un truc, sinon c'est tous des nains. Tu vois, c'est tous des nains de médiéval fantastique. Donc, tu vois, cet aspect-là, vraiment... Tu vois, dessin, cartoon et tout. Moi, je pense que c'est là-dessus que j'aimerais bien partir, plus, dans l'idée. Pas trop photoréaliste, tu vois, dans le sens où, genre. Parce que, en vrai, là, tu regardes les habits de Darkest Dungeon, ça a du sens complet, hein. Y a rien à redire là-dedans. Dans les armures, dans la tenue. Tu vois que le machin a vieilli. Tu vois que c'est pas là vraiment juste pour faire lololol MDR, ils ont tous des épaulettes. Il y a un truc derrière. Enfin, bref, il y a quelque chose, tu vois. Il y a une vraie recherche là-dessus. Et c'est pour ça que ce style-là me parle plus, parce que c'est vraiment vers cette direction-là. Tu vois que je préférerais qu'on s'oriente, clairement. Donc je sais que ça fait très propagande de Darkest Dungeon, hein, à chaque fois que j'ouvre la bouche pour l'aspect graphique. Mais pour ce jeu-là, vraiment, j'aimerais bien un truc plus lumineux, certes. Et pourquoi pas avoir les proportions à la Street of Rage, hein, clairement. Donc, bon, là, ils sont très musculeux, tu vois, mais quand même. Ça reste, bah en même temps, les mecs ils vont quand même se foutre sur la gueule H24 dans la rue avec des gars avec des boucliers cinétiques, des trucs comme ça. Donc à un moment donné, si t'as pas de muscles dans les bras, je sais pas comment tu vas faire pour leur péter la tête. Bon, enfin bref, tu vois, il y a un truc coloré que j'aimerais bien prendre de Street of Rage par exemple, mais parce que pour moi, c'est l'exemple le plus récent pour moi, donc c'est pour ça que je parle de Street of Rage.
tu prends cette coloration comme ça, là, tu vois, des personnages qu'on voit à l'écran et tout ça. Bah, tiens, par exemple, Sherry, la guitariste, là, elle a des couleurs très intéressantes. D'ailleurs, même sur ses swap palettes, il y a des couleurs très intéressantes. D'ailleurs, moi, je trouve que le design du perso est super cool, en vrai. J'adore Sherry, en fait. Tu vois, il y a quand même, tu vois, un peu de jaune, il y a des trucs un peu plus, tu vois, un peu plus pétaraillants, tu vois, ça se permet de sourire. Alors, dans Darkest Donjon, tu vois quelqu'un sourire, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Hein. Généralement, c'est que ça pue du cul, hein, clairement. Tu vois, voilà, tu les vois tous faire la tronche quand même, tu vois. Pas oublier. Tu vois, donc, un peu plus lumineux quand même dans l'idée. Plus lumineux dans ce délire. Bon, là, c'est parce que là, voilà, Hope, Never Die, truc comme ça. La lumière derrière, parce que c'est comme ça d'ailleurs que c'est clair. Bref, jouer au jeu, il est génial. Même Street of Rage, d'ailleurs, il est cool. Pour avoir un pizza party game, là. Enfin, bref, tout ça pour dire. Bah, rien de plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est vraiment ça, moi, que j'aimerais peut-être plus pencher, un espèce d'hybride. Mais par contre, tu vois, entre moi, ce que j'aimerais bien, et ce qu'on peut trouver, parce que si maintenant, d'ailleurs, on se met à la position du gars qui a la recherche, d'un gars, d'une personne en tout cas qui est capable de fournir un travail comme tu vois, je suis en train d'essayer de l'expliquer, bah c'est pas gagné. Parce que en même temps, l'artiste, si tu veux, tu vas choper un artiste ou un concept artiste, tu vois, tu vas commencer à lui mettre là l'espèce de cahier des charges un peu à la con où tu lui dis voilà, dans l'idée, tu vois, je lui remets, mais en propre, tu vois, cette fois, je lui explique ce qu'on rechercherait, ce qui a été validé ou pas. Bah, à un moment donné, le mec, enfin la meuf, la personne du moins, elle va te regarder en mode genre, ok, alors, donc ça c'est mon book par contre, donc est-ce que ça colle? Parce qu'il faut pas non plus demander quelque chose que la personne n'a peut-être pas forcément, on va dire, d'appétence pour. Parce que sinon après, tu vas juste être déçu, tu vas juste frustrer plusieurs personnes dans le process et perdre du temps et de l'argent quand même, parce qu'il faut rémunérer la personne, elle n'est pas venue juste pour te parler de ses cacahuètes, quoi. Donc voilà. Tiens, par exemple, là la lumière qu'on voit là dans la fenêtre de la taverne là par exemple, là, sur l'image où on est, cette lumière là par exemple en jeu, graphiquement ils vont représenter un truc un peu, tu vois, le côté orangé jaune qui va un petit peu comme faire des vagues, tu vois, de lumière là-dessus pour stimuler de la vie. Je pense que c'est vraiment ça, tu vois, qui me touche plus et que j'aimerais, par exemple, mettre dans le jeu qu'on est en train de faire. Tu vois, c'est ce genre de choses-là, un 2D vivant, un 2D animé, enfin du plat animé, quoi. Je sais qu'il y a forcément un nom là-dessus, je le connais pas. Et en vrai, après le stream, j'irai le chercher. Et ce sera le mot du prochain stream. Je commencerai par ça veut dire ça, tu vois. Mais bon, si ça se trouve, je vais même pas le trouver. Comment j'ai un œil plus trop alerte là-dessus, j'ai l'impression, mais enfin bref. Y a cette histoire-là, quoi. Il y a tout ça qui se met en place petit à petit dans l'idée. Même si c'est un truc où j'étais parti en début, mais après, tu vois, j'ai aussi un truc qui devra être validé par GadGad ou Ulore derrière, qui me diront ouais, alors, comment dire, non, tu vois, ça risque d'être très vite, hein. C'est mort. Mais au moins, tu vois, on aura essayé, tu vois. Au moins, on aura vu la chose. On aura vu la chose comme ça et tout ça. On aura au moins essayé d'explorer cette piste-là. Après, bon, il faut faire aussi des tests parce que c'est vrai que des fois, tu vois, tu peux avoir ce concept-là et te dire, eh, c'est génial. On fait. Sauf qu'il faut bien faire des tests pour voir si ça marche vraiment. Si jamais, au final, t'es convaincu par ta propre idée, tu vois ce que je veux dire? Sinon, bah, ça sert à rien. En fait, il y a des tests partout. En vrai, dans la production de jeux, quand tu es indépendant, si jamais tu pars du principe que tu vas pas débourser un centime pour ton jeu, sachant que tu n'as pas toutes les compétences pour faire ce jeu-là, c'est-à-dire que tu n'as ni la compétence pour l'animer, ni la compétence pour le coder, et que tu n'as pas non plus la compétence pour l'écrire, à quel moment tu penses que tu vas pas débourser un centime? Pour que les gens soient motivés et qu'ils fassent vraiment le taf? Et ne dis pas parce que genre t'as des potes qui vont faire machin et tout ça. Ça marche pas ça. Moi j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir Ulore et GadGad, on s'est tous les trois proposés au final de faire ça. Mais parce que ça part d'une idée de,
On fait. Bon, Ulor, lui, il était plus sur l'aspect expérience sociale, de voir si jamais ça intéresse quand même des gens. Le fait de démontrer des étapes petit à petit de la chose. Ce qu'on utilise aussi pour le code, par exemple, que Gadgat est venu à la base pour nous faire voilà, nous présenter et qu'on l'utilise correctement. Il y a aussi ce challenge-là qu'on s'est imposé. En fait, si tu veux, là, ce qu'on est en train de faire, c'est. Bah, c'est. Franchement. En vrai, compte pas avoir ça tous les jours. Clairement. Sachant quand même que les deux loustics, c'est des professionnels du jeu vidéo, tu vois, ils travaillent dans le jeu vidéo. C'est pas Joel Clodo, tu vois, genre. Ils ont pas juste vu de la lumière et ils sont rentrés. Et la majorité des gens que tu verras sur Twitch, YouTube, tu vois, qui font des jeux vidéo, généralement, ceux qui se permettent de poster des vidéos là-dessus et qu'ils en font quand même depuis quelques temps, généralement, ils s'occupent de tout. Où ils sont d'une équipe qui s'occupe de tout et qui arrive quand même un petit peu à faire des choses, où il y a des game jams, où il y a tout ça, tu vois. Et c'est plus là-dessus que tu vas trouver vraiment des gens qui font encore du jeu, du jeu vidéo, indé et tout ça. Donc, mine de rien, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est plutôt rare, ça demande du taf, ça demande beaucoup de taf. Et nous, par exemple, on a avancé, on va dire, chacun un peu à sa manière et de façon un petit peu spartiate. Et parce qu'en même temps, ils ont un taf. Hein, donc à un moment donné, il faut bien payer les factures. Et voilà, il y a d'autres choses aussi qui se passent. Si tu veux. Et il y a aussi de l'organisation à se faire. Et tu verras, à chaque fois qu'on commence un jeu indé. T'sais, mais quand je dis indé, alors attention, il y a indé et indé. Il y a indé, celui qui sortent et qui sont vraiment indépendants et c'est vraiment des boîtes qui marchent, en tout cas qui fournissent du pognon avec leur jeu. Et les indépendants, genre amateurs. En vrai, j'aurais peut-être dû plutôt dire amateur, amateur. Donc, les indés, c'est ça. Mais les amateurs, nous, bah, ça commence toujours bien, hein. Ça commence toujours bien. Ouais, on va faire ça, on va faire ça, c'est génial, c'est cool, machin. Et en fait, au final, bah. Des fois, t'attends. Généralement, moi, je dis 2 semaines. En 2 semaines, t'as déjà un mec qui dit, écoutez, écoute, je dois faire des trucs là, en ce moment. Petit à petit, pour pas dire, non, mais en vrai, ça me saoule. Mais c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est normal. Tu peux pas demander d'abnégation aux gens aussi longtemps, on va dire, sur la chose. Enfin bref. Donc, voilà où on en est un peu. Moi, c'est quelque chose de. C'est vrai qu'on a fait le tour très vite, qu'on n'a pas forcément, on va dire, détaillé sur d'autres choses. En même temps, il n'y a pas de question. Mais voilà, donc il y a quand même tout ça qui a été mis en branle. Il y a quand même cette réflexion-là qui doit persister, qui va continuer d'ailleurs à persister. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on en a besoin, il faut le faire. Ça va être long. Et ça, c'est dans l'optique aussi que ça sorte. Après, oui, il y a l'identité sonore aussi qu'il faut parler. Oui, il y a l'identité sonore, en effet. Mais l'identité sonore, en même temps, c'est un autre délire. Ça va être autre chose. Ça va être clairement une autre sauce, quoi. Clairement, ça va être une autre sauce. Ça va être un autre débat. Ça va être un autre point de réflexion, ça va être ce qu'on veut essayer de traduire et tout ça. Par exemple, si jamais tu mets des trucs en 8 bits et tu veux quand même que ça reste cohérent, tu vas pas le foutre des graphismes par exemple hyper réalistes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une cohérence qu'il faut garder dans tout ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même tambouille, c'est pas. Tu vois, t'as quand même la musique. Enfin, tous les bruitages, les FX. Bon, après, sur le Discord de GMSpell, enfin de cette chaîne, quoi, que vous trouverez d'ailleurs en description, ou sinon, si vous remontez vite fait plus loin, le Nightbot vous envoie le Inktree. Donc, le Inktree, vous aurez tout, hein. Vous aurez la chaîne, le Discord et la chaîne YouTube aussi. Donc, là, il y a des packs SF FX. Faut payer, hein. Tout est là, hein, mais il faut payer. D'accord? Et c'est souvent en promotion, donc c'est souvent à 8 balles, je crois qu'il m'avait dit la dernière fois à l'extrait. Je sais plus. Et c'est fourni, hein. Pouh là là, il y en a un, hein, du contenu là-dedans. Bah, franchement, ouais, non, t'as vraiment tout à faire. C'est passe-partout, donc du coup, tu peux vraiment le foutre avec n'importe quel projet en vrai. Mais bref, tu vois, il y a tout ça comme délire. Tu vois, c'est.
faut quand même penser à ça. C'est donc du coup, tu as toutes les FX. Bon, tu as la BA, la musique et tout ça, hein, les musiques d'ambiance. Et il faut aussi penser à comment, faut que quelle ambiance tu voudrais vraiment transmettre dans le donjon. D'ailleurs, il y a un jeu, par exemple, de la Spell que j'aime bien, qui est encore en alpha ou en bêta, je me souviens plus. Bref, c'est un Cocorico aussi comme jeu. C'est un jeu français qu'il y a sur Steam, qui est très bon. Bah, tu vois, par exemple, leur bande son n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Enfin, dans le terme de c'est original, tu vois, dans le sens où, en gros, c'est de la grosse synthwave. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça de la synthwave, parce qu'il y a pas mal de... Je vois quand même qu'il y a une grosse construction métal derrière, tu sais, de musique. C'est-à-dire qu'il y a la vraie guitare électrique, hein, vraiment en mode genre avec des riffs vraiment que je retrouvais des fois dans du heavy ou dans du black, dans certains cas, avec du violoncelle et tout ça. Mais il y avait de la synthwave derrière, dans un univers médiéval fantastique, apocalyptique. Genre, en gros, il faut que tu survives aux hordes de morts-vivants qui viennent attaquer. Ta dernière ville où t'as les mages qui sont en train d'essayer bah, de faire le dernier spell, enfin la dernière magie pour justement effacer toute la magie dans le monde comme, parce que c'est la seule façon d'arrêter les morts-vivants qui marchent. Voilà, donc du coup ils veulent effacer toute la magie, mais par contre leur temps d'incantation est très très long, ça se compte en jours. Et toi, le but du jeu en fait c'est de les protéger, d'accord, avec tes héros et tout ça. Médiéval fantastique, hein, dans le sens où genre il y a de la magie, c'est du médiéval, enfin bref. Voilà, c'est ça, sauf que bah il y a de la synthwave. Et bah rigole pas, ça colle. En vrai, la musique est tellement originale qu'honnêtement, bah ça faisait kiffer en fait de jouer. Pourtant c'est un truc tour par tour, hein. Et la musique est hyper vénère derrière, tu vois, c'est quelque chose, c'est différent. C'est vraiment différent, c'est vraiment sympa. Et tu vois, genre, il y a quand même ça aussi, tu vois, se poser des questions. Des fois, tu vois, t'as des mix chelous. Il faut aussi faire confiance en fait au gars qui fait la musique. Parce que c'est ça aussi le truc. On en revient aussi à ce point de détail très important quand même. Faut faire confiance au pro à qui tu confies la tâche. Un minimum, tu vois. Genre tu le laisses faire. Parce que comme ça au moins tu sais ce qu'il a pu interpréter dans ce que tu lui as dit, ce qui ressort. Et peut-être quel point tu n'as pas assez appuyé ou peut-être que vous n'êtes pas entendu. Sur la particularité, la spécificité que tu voudrais qu'il taffe. Donc, mais quand même, des fois, laisse-le faire parce qu'il peut quand même te proposer des trucs qui sont quand même bah, de sacrées surprises, où tu t'y attendais pas, où tu as envie en fait de développer son idée. Tu vois, que ce soit, oh attends, en fait, ce style de musique-là, par exemple, ah, ça colle vachement bien au final, ça fait un mélange chelou que j'adore. Tu vois, genre, il y a un truc comme ça, tu vois, qui peut se passer. Ou genre, le gars, tu vois, qui arrive avec un dessin, avec un design. De perso que tu avais imaginé ou quoi, bah tu te dis, bah tu sais quoi, je préfère ton design à toi. Je vais remanier vite fait sa backstory. Tu vois, pour que ça colle plus à ce qui est représenté sur l'image ou quoi, parce que en fait, genre, tu sais, par exemple, que la personne lui rajoute une cicatrice, un endroit bah, trop visible, genre par exemple, tu vois, qu'il le remborgne, par exemple. Bah du coup, ouais, tu vas adapter ça parce que ça peut expliquer pas mal de choses et tout ça, tu sais. Il faut laisser les créas, on va dire, de tout ce qui est son et visuel, de temps en temps faire leur tambouille. Parce que au moins tu vois ce qui a été enfin ce qui a été entendu des deux côtés en fait en termes d'information et ce qui a été demandé. Ou/ou ça peut aussi te donner des idées, voire améliorer le contenu de base que tu voulais faire. Tu vois? Et en fait, c'est aussi un fil rouge qui continue, qui continue, qui continue. Après, il y a les références, tu vois, qu'on devrait parler. Parce que si tu veux, dans tout ce matériel-là, quelles seraient les références, tu vois, utilisées, par exemple, dans notre jeu? Alors, on a vu par rapport au Refhunting, certains jeux de cartes, et d'ailleurs, on a encore d'autres qui ressortent, hein, des jeux de cartes, donc c'est pas fini. Il y a ça, en fait, si tu veux, qui continue, en gros, encore à avancer, à venir, où, tu vois, on parle de Ascension, on a parlé de Slay the Spire, tu vois, il y a plein de choses comme ça aussi, de Gorgon Spell. Bref, on en a fait. Il y a d'autres aussi qui sortent, hein, jeux de cartes. Donc, ça serait à peu près les références peut-être de gameplay, avec la version de JDR aussi, qu'on peut mettre en place. Tous les petits RPG, en fait, à
génération de donjons procédurales, par exemple comme Darkest Donjon, le système de donjons de procédural de Darkest Donjon. On a aussi tous les petits jeux comme Loop-Hero ou des trucs comme ça, tu vois, où genre, en gros, tu vois, la mécanique de gameplay est assez simple. Après, t'as tous les jeux de société aussi qu'on pourrait parler, mais tu vois, c'est toujours dans l'aspect gameplay. Mais par contre, maintenant, l'aspect qui... L'univers. Qu'est-ce qui nous a inspiré? Alors, évidemment, comme tout le monde, en fait, j'ai grandi un peu dans... Déjà, j'ai grandi sur la même planète que vous, donc... Du coup, le Seigneur des Anneaux, oui, grandement. Tu vois, c'était ma première approche. Il y a aussi ce livre que j'avais lu. Alors, c'était mon tout premier livre fantastique. J'avais lu ça, j'étais au collège. Mais médiéval fantastique, hein, je parle pas de juste fantastique, parce qu'en fait, fantastique, t'en lis depuis que t'as 3 ans. Hein. Donc, bon, dans l'idée. C'était un livre, je crois, de. En fait, je me souviens plus trop, mais je me souviens juste que je l'ai prêté à un pote. Je l'ai plus jamais revu ce bouquin. Et ça me désole parce que c'était vraiment un bouquin qui m'avait marqué à fond. C'est le premier bouquin en fait que j'avais dévoré littéralement par plaisir et pas juste parce que je m'intéressais, parce que c'était la culture que mon père voulait me transmettre ou ma mère. Et que j'étais. Parce que ça m'intéressait. En vrai, moi j'ai grandi aux côtés des super-héros de DC Comics, tu vois, qui passaient à la télé, et de tout ce qui est Iliade, Odyssée, toute la mythologie gréco-romaine et égyptienne. Donc si tu veux, moi j'ai grandi avec ces deux trucs-là, avec la même intensité, hein. Tu vois, j'en bouffais des trucs, hein. Je suis arrivé quand même des fois à demander des action figurines quand j'étais gamin, des jouets de dieux égyptiens ou de gréco-romains. Tu vois, bon, tu vois, parce que je voulais voir ce que ça donnait Batman contre Zeus, quoi. Tu vois, j'étais un gamin, j'étais con. Et bref, donc du coup, ouais, donc du coup, ce bouquin-là, comme je disais, en fait, ça parlait d'un nain et d'un elfe qui faisait un voyage tous les deux, et à un moment donné, ils rentrent dans une ancienne cité naine, et là, ça part en couille, mais ça part en couille gentiment, hein, tu vois, c'est pas non plus un truc monstrueux. Et puis bref, tout en déroulé, moi, je dirais quand même qu'il y a une grosse inspiration Donjons et Dragons, qui est d'ailleurs inspiré, enfin, qui a un... Donjons et Dragons est basé un petit peu quand même beaucoup sur le Seigneur des Anneaux, mais ça a été revisité avec pas mal de trucs quand même, hein. C'est dans le même délire, hein. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui s'y ressemblent. Mais c'est normal, c'est tout à fait logique. Beaucoup de Warhammer, enfin tout ce qui est Game Workshop en termes de Age of Sigmar, à un moment donné, beaucoup. Après, il y a toutes les productions, évidemment, des Elder Scrolls en jeux vidéo, enfin d'autres jeux aussi que j'ai dû oublier, Age of Empires et tout ça. Bref, tout ça, en fait, toute cette tambouille-là, en fait, c'est très geek, hein. Tu vois? Mais ça serait plus mon parcours à moi, mais en vrai, dans ce jeu-là, les références qui sont utilisées, il y a tout ça, en fait. Il y a autant de l'historique. Qu'il y a des réflexions aussi comment on pourrait baser une société sur la magie. Donc du coup il y a quand même une réflexion intellectuelle aujourd'hui, hein, si jamais je devais recréer le JDR, je ferais ça, tu vois, je ferais tout un délire là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des fois des côtés qui ressemblent un peu à du média fantastique lambda. Mais c'est. Bon, on s'en fout de ça à la rigueur. Enfin voilà, bref. Vraiment, on pourrait partir vraiment sur du Donjons et Dragons, vraiment beaucoup, avec du Darkest Donjon. Tu vois, parce que ça reste quand même en termes de gameplay, en termes de pas de graphique, en termes de. Enfin, pas de graphique, non, pas encore, mais en tout cas, voilà. Ça a quand même une grosse influence quand même sur ce truc. Là, au niveau de la musique, alors moi j'adore tout ce qui est musique, tu vois, genre qui font penser un peu aux tavernes et tout ça. Moi je me souviens quand j'étais petit, j'écoutais pas mal de musique celtique aussi. Mais tu sais, des musiques tradies. Enfin, faussement pagane aussi, hein, parce qu'il y a eu toute la mouvance pagane à un moment donné. J'étais dans. Alors là, j'écoutais que ça, H24, du pagan metal. C'est n'importe quoi. Je me fermais comme un con en fait à d'autres musiques sympas. Et bref. Il y a tout ça, tu vois, En gros, il faudrait vraiment que je fasse la liste. Et je pourrais la montrer dans un prochain live. Mais ouais, il y a tout ça aussi qui est important et qui influence. En vrai, il faut vraiment stabiliser ça en fait quand tu crées vraiment un univers. Déjà, tu peux aussi. Parce que c'est aussi intéressant de voir en fait qu'est-ce qui t'influence maintenant quand tu es dans un processus créatif. Tu vois? Tu peux l'analyser après coup. Hein. Tu peux très bien. Moi, c'est ce que je faisais des fois. Hein. J'allais après coup le truc, je disais, ok, qu'est-ce qui m'a influencé? Ok, ça, 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 ça. Et c'est pas une honte. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas original. Il faut pas penser ça. Parce que tu vois, par exemple, quand quelqu'un dit, ouais, mais voilà, tu as été influencé par ça. Oui, ben ça va, je l'ai pas plagié non plus, tu vois. Et il n'y a aucune création que vous ferez, aucune, qui n'a pas été influencée par quelque chose.
par une autre œuvre. Aujourd'hui, c'est les œuvres. Parce qu'on est tellement abreuvé, en fait, si tu veux, d'œuvres, que ce soit des films, des livres, des comics, bref, on est quand même à l'ère où c'est bon, l'humanité, elle a que ça. Hein. Franchement, l'humanité, elle a tout sous le bout des doigts, donc du coup, on est plus influencé par les œuvres. Alors qu'à l'époque, t'étais influencé par une autre culture. Tu vois, t'as une culture, tu vois, qui te frappait, et donc du coup, il y avait aussi un processus créatif qui se créait là-dessus. Tu vois, genre, il y a plein de trucs comme ça. La mythologie d'une autre, une tradition orale, tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Donc il faut penser à ça aussi, c'est que. Bah, c'est. En fait, il faut prendre ça comme des références pour un concept artiste, pour un illustrateur, une illustratrice. Tu vois, genre, il faut le prendre comme ça, c'est très simple, c'est pas un mauvais mot, c'est pas. T'as insulté personne. Tout va bien. Tu vois, et vraiment, c'est. Il y a de ça, en fait. Moi, j'aime bien quand même ce moyen-là, tu vois. Et puis, ça permet aussi d'avoir des idées claires de ce que tu veux ou ce que tu veux pas, ou en tout cas ce que tu espères voir au final, ou ce que tu espères essayer de réémuler comme sensation. Pas comme délire, pas comme histoire ou gameplay, mais plus comme sensation que tu as éprouvée. Voilà. Donc voilà, c'était un peu un stream chill aujourd'hui, hein. Donc oui, beaucoup plus court. Évidemment, mais en même temps, on a fait le tour, on a regardé deux trois trucs, on a pu statuer sur pas mal de choses. Donc voilà, exactement. En plus, du coup, maintenant, voilà, ça fait une heure, à peu près 1 heure et demie de live. Donc, moi, je pense que c'est parfait. Puis en même temps, on peut aussi faire un peu plus court parce que bon, là c'était plus une espèce de recherche, une réflexion, hein. Parce que rien n'était vraiment préparé, j'avais juste vite fait recherché 2-3 trucs là, un petit peu avant. Mais dans l'idée, voilà, c'est juste pour qu'on en parle, pour qu'on fasse une mini réflexion toute débile ensemble. Voilà tout. Bon, bah sur ce. Je vous souhaite une excellente soirée, en espérant vous revoir mardi prochain. Et cette fois-ci, il y aura du code. Donc, pour ceux qui sont plus friands de ça, venez mardi. It will be fun. Et bah, de toute façon, on continue, on avance et on verra bien comment on procède. Allez, sur ce, je vous fais tous des poutous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao! We'll be right back.